L'État se débarrasse de certains de ses pouvoirs pour les transférer à la barre. C'est pourquoi les élections communales et communautaires ont été organisées. Alors, depuis ces élections, il fallait obligatoirement installer les bureaux exécutifs qui sont chargés de la gestion de leur commune. Alors, depuis longtemps, ces bureaux exécutifs n'ont pas été faits. La bonne nouvelle donc, le gouvernement a pris la décision de procéder immédiatement à l'installation des conseils communaux, contenus par les bureaux exécutifs, c'est-à-dire les maires adjoints et consorts. Certains ne sont pas d'accord, mais nous, en tant que parti au pouvoir, nous soutenons fermement la décision du gouvernement. Nous soutenons l'installation des conseils communaux ou les bureaux exécutifs des conseils communaux. Même si c'est demain d'ailleurs que j'ai prêt. Ce que nous allons seulement ajouter, c'est dire aux camarades que tout le monde peut, mais c'est pourquoi que je n'ai pas fixé, pas désiré de l'église. Donc quand les délégués viendront, que chacun mette de l'œuvre dans son verre. Et pour que ça se passe très bien, que le parti, la faible partie, aille tous de l'avant. Nous savons, depuis les contradictions de Dieu, c'est ça la vie même d'un parti. Sans contradiction, il n'y a pas de vie. Sans contradiction, il n'y a pas de parti. Mais ces petites contradictions ne doivent pas surmonter les grands problèmes. Donc, bientôt, nous allons envoyer des délégués dans toutes les communes de la Guinée. Et ces communes-là, ces délégués-là vont procéder par des préliminaires avant l'arrivée de la délégation du ministre de l'administration du territoire. Alors nous voudrions donc vous entretenir autour de ça, pour que ceux qui ont refusé sachent que le projet est prêt. Nous, on est prêt et on soutient fermement la décision du gouvernement. Même si c'est demain, seulement que ça peut tarder. Mais chaque chose a son temps. Donc, après l'installation, le parti, le gouvernement prendra sa responsabilité. Nous ne sommes pas dans la jungle, nous sommes dans une république régie par les lois. Donc, nous vous informons de cela, que chacun se prête à ça et que tout le monde soit informé que bientôt, les bureaux exécutifs des conseils communaux seront installés. Parce que quand les délégués viendront, c'est les conseillers seulement qui seront reçus dans la salle pour l'installation des bureaux exécutifs. Ce n'est pas le bureau de base, ce n'est pas la sous-section, ce n'est pas la section. C'est les conseillers qui ont été élus. Donc, il faut que ces conseillers-là sachent quand même qu'ils sont issus du parti. Et puis bientôt, nous allons apporter une autre voie électorale, ce sont les législatives. J'entends souvent qu'il y a des listes indépendantistes, Mais s'ils ne veulent pas rentrer dans les rangs, ben, les autres, il n'y a pas de liste indépendante. Donc il faut attirer l'attention maintenant. Ils n'ont qu'à accepter de rentrer dans les rangs du FPG pour que les choses se passent bien. Sinon, aux législatives, il n'y a pas de liste indépendante là-bas. Donc j'attire leur attention autour de ça pour qu'ils sachent que c'est le parti, c'est le parti qui gère la République. Ce n'est pas autre chose. Donc c'est ce que je voudrais dire. Nous devons quand même faire une baleine. Gouvernement, décision maintenant.